Je voudrais aussi saisir l'opportunité pour rendre un vibrant hommage aux populations de cette région pour leur résistance historique et héroïque à la pénétration et à l'administration coloniale. Aujourd'hui encore, la région du Sud-Ouest continue d'administrer un bel exemple de sa résilience et de ses méthodes endogènes de solutions originales et efficaces pour faire face aux phénomènes du terrorisme, de l'insécurité et de leurs corollaires. Ton originalité pourrait inspirer ou conforter à bien des égards d'autres régions de notre pays dans leurs efforts de résilience et de lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Parlant du terrorisme et de l'insécurité, je saisis l'occasion qui m'est ici offerte pour rendre un hommage mérité à nos braves et intrépides forces combattantes qui ont infligé une sévère correction à une horde de barbares, de terroristes, le dimanche 26 novembre dernier à Djibo. Djibo, la cité imprenable, est aujourd'hui le symbole d'un Burkina debout, debout et fier et digne et résolument engagé, à ne céder aucun centimètre de son territoire à ces barbares, à ces terroristes. Je voudrais qu'ensemble, nous saluions le courage patriotique de tous ces dignes fils et filles tombés sur le champ d'honneur en observant une minute de silence en leur mémoire. C'est sur les terres de Gawa que le père de la révolution burkinabé a passé son enfance, bercé par la culture de votre terroir, c'est-à-dire l'esprit de résistance, de refus de l'injustice, de fierté et de dignité des filles et fils de la région. Merci tout simplement à vous. Population de la ville de Gawa et du Sud-Ouest, fortement mobilisée aujourd'hui, je voudrais vous dire particulièrement merci. Merci pour votre indulgence et votre soutien fervent et renouvelé, chaque jour davantage en faveur de la transition, car il y a de cela quelque temps seulement, je devrais venir ici à Gawa à l'occasion de la journée de l'artisan minier, et vous m'y attendiez de pied ferme et de manière citoyenne et enthousiaste, non seulement pour me manifester personnellement votre affection et votre amitié, mais aussi et surtout pour me témoigner votre adhésion et votre soutien à la transition. Permettez-moi ici et aujourd'hui de vous exprimer mes regrets pour ce rendez-vous manqué et indépendant de ma volonté qui était juste lié aux contraintes impondérables de ma charge et du contexte sécuritaire. Mesdames et messieurs, vaillantes populations de la cité du Bafoudji et du Sud-Ouest, que l'attente fut longue, que de péripéties. L'aboutissement de ce projet a connu une accélération toute particulière au cours des 10 derniers mois. La ratification de la convention de financement par l'Assemblée législative de transition le 25 mars 2023 et la cérémonie de ce jour traduisent, si besoin en était, la ferme volonté de la transition d'assurer un accès large et équitable des Burkinabés à des soins et services de santé de qualité. Pour sa mise en œuvre, le gouvernement du Burkina Faso a conclu avec la société Ellipse Project Belgium un contrat clé en main. J'exprime d'ores et déjà à la société Ellipse Project Belgium
les attentes légitimes du gouvernement et des vaillantes populations de la région du Sud-Ouest pour les dispositions qu'elle prendra pour livrer dans les délais contractuels une infrastructure et des équipements de qualité irréprochable et conforme au cahier de charge. Selon les termes de ce contrat, les entreprises burkinabées et la main-d'œuvre locale doivent être priorisées dans la réalisation de ce projet afin de créer des emplois et de la valeur ajoutée pour l'économie locale et nationale. Selon nos attentes, ce projet devrait permettre la création de nombreux emplois, directs et indirects, sur les 3 années correspondant à sa durée d'exécution. J'engage vivement, devant vous tous les intervenants dans la mise en œuvre du projet de construction du centre hospitalier régional universitaire de Gawa, à faire preuve de dévouement, de professionnalisme et de rigueur dans l'exécution des travaux afin que les infrastructures, les équipements qui seront réalisés et livrés soient de belles factures et respectent les délais impartis, car j'attache du prix à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Gawa réponde pleinement et de manière durable aux attentes et aux besoins réels des vaillantes populations de la région. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, je vous enjoins donc et vous invite à veiller à ce qu'il en soit ainsi si vous ne voulez pas que les populations du Sud-Ouest vous demandent des comptes. Mesdames et messieurs, vaillantes populations de la cité du Bafoudji et du Sud-Ouest, la construction du CHRU de Gawa est un projet structurant qui permettra de renforcer la capacité d'offre de soins de qualité aux populations de la région du Sud-Ouest, en plus des soins habituellement offerts dans un CHR. Dans ce CHRU, seront offerts des soins de niveau de technicité plus élevé, des activités de formation, d'encadrement et de recherche médicale qui vont lui conférer son caractère universitaire. D'un coût total de plus de 45 milliards de francs CFA hors prime d'assurance, l'infrastructure qui sera construite et équipée sur ce site de 25 hectares aura une capacité de 300 lits contre une capacité actuelle de 186 lits pour le site actuel du CHR de Gawa. Elle comprendra une cinquantaine de services et d'unités, principalement des services cliniques et médico-techniques, que sont entre autres la pédiatrie, la gynécologie obstétrique, les urgences médicales, les urgences chirurgicales, la chirurgie générale et digestive, l'urologie, la chirurgie traumatologique et orthopédique, la cardiologie, la neurologie, la gastro-entérologie, la médecine interne, la pneumologie, les maladies infectieuses, la néphrologie et l'hémodialyse, l'ophtalmologie, l'otorhino-laryngologie, un cabinet dentaire, la réanimation, les soins intensifs, la psychiatrie, les laboratoires, la pharmacie hospitalière, l'imagerie médicale, la kinésithérapie et l'orthoprothèse, la stérilisation centrale, les ateliers de maintenance, la morgue et un héliport. En somme, tous les services dont dispose un hôpital de technicité élevée seront concentrés dans ce CHRU. Tous les services seront dotés d'équipements de pointe, dont un scanner de 64 barrettes, une table de radiologie télécommandée, une table de radiologie os-poumon, un appareil de mammographie, des appareils d'échographie, des amplificateurs de brillance, des équipements complets de bloc opératoire, des lits complets de réanimation, des fauteuils dentaires, des tables de consultation ORL, ophtalmo, des générateurs de dialyse, des analyseurs automatiques de laboratoire, pour ne citer que ceux-là. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale permettra d'atténuer les impacts négatifs
sur les populations et l'environnement à travers, entre autres, l'indemnisation des personnes affectées par le projet. C'est l'occasion pour moi d'exprimer du haut de cette tribune mes sincères remerciements à l'ensemble des autorités administratives, coutumières et religieuses régionales, aux différents partenaires de développement du Sud-Ouest et à la population de Gawa, particulièrement aux personnes affectées par le projet, ainsi qu'aux propriétaires terriens et les exploitants. Chère population de la région du Sud-Ouest, cet important projet est le vôtre. Contribuez fortement à sa réalisation. Il participera à rehausser l'image de votre belle région et à vous offrir davantage des opportunités socio-économiques. Je réitère mes remerciements et ma sincère gratitude à toutes et à tous pour votre accueil extrêmement chaleureux, votre hospitalité et votre soutien expressif et sincère. Sur ce, je déclare officiellement lancer les travaux de construction du Centre hospitalier régional universitaire de Gawa. Vive la région du Sud-Ouest! Paix et sécurité pour notre cher Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Les besoins en offres sanitaires sont très pressants. C'est un contexte aussi de guerre, mais nous avons fait l'option de faire la guerre et le développement. Et c'est ce besoin donc en soins de qualité qui nous a amené donc à initier ce projet ici, au Sud-Ouest. Les populations du Sud-Ouest attendaient pendant très longtemps ce moment et je pense que c'est un hôpital de qualité clé en main qui sera offert et qui doit permettre à ce que tous les soins se passent sur place. Et c'est un souhait de multiplier ce genre de projet dans les différentes régions pour rehausser le niveau donc du plateau technique des médecins parce qu'on a de la qualité, que ce soit au niveau de nos infirmiers et les médecins, mais souvent l'équipement nécessaire manque. Et je pense que ça sera un exemple qui nous permettra donc de perpétuer ça vers d'autres régions. Ainsi, une guerre, madame.